Bonjour à tous, je prends la parole au nom de Lutte Ouvrière, une organisation communiste révolutionnaire. Ça fait 70 ans que la population palestinienne est bombardée, opprimée et colonisée. Ça fait 70 ans que des villes et la bande de Gaza sont des prisons à ciel ouvert. Le gouvernement israélien impose une politique d'apartheid en Israël. Il prend aussi en otage la population juive israélienne. Les Arabes israéliens sont expulsés de leur quartier, agressés physiquement par des nervis d'extrême droite. Et aujourd'hui, des juifs israéliens réalisent qu'ils sont sous la menace d'une guerre communautaire qu'ils n'ont pas voulu. Ça fait 70 ans que l'État israélien rend impossible la création d'un État palestinien viable. Ça fait des années que Netanyahou s'appuie sur l'extrême droite suprémaciste juive, ferme les yeux sur ces violences et soutient toutes ces entreprises de colonisation. Alors oui, le gouvernement israélien a une politique terroriste. Pire encore, c'est du terrorisme d'État. Depuis 70 ans, l'État israélien mène une guerre permanente aux Palestiniens avec la complicité de toutes les grandes puissances impérialistes, à commencer par les États-Unis d'Obama, de Trump ou Biden. Même ici, l'État français est responsable. Depuis des années, l'impérialisme français mène une politique de colonisation, que ce soit en Algérie ou en Indochine, et encore aujourd'hui avec l'armée française au Mali ou en Irak. Il la mène en terrorisant, en massacrant. Ça fait 70 ans que les Palestiniens refusent d'abdiquer et se révoltent. Et ils ont mille fois raison. Partout, des manifestations de soutien ont eu lieu. Que ce soit dans les pays riches comme en Allemagne, jusque dans les quartiers populaires de Tunis. Même à l'intérieur des frontières israéliennes, l'appel à une grève générale a été reprise par les Israéliens arabes. Et tout ce qu'on peut leur souhaiter, c'est que demain, il y aura des Israéliens juifs qui les rejoindront dans leur combat. Cette révolte-là, c'est notre révolte à nous tous. Parce qu'on a les mêmes ennemis, l'impérialisme et le capitalisme. Le gouvernement israélien voudrait que toute la population juive israélienne accepte quand l'armée israélienne bombarde des enfants, de la même façon qu'ici, le gouvernement français voudrait qu'on accepte quand des migrants y meurent en Méditerranée. Ils veulent qu'on accepte de vivre sur le pillage des pays pauvres, ils veulent qu'on accepte leur guerre, et ben nous, on refuse justement. Dernièrement, le Hamas et Israël ont signé un accord de cessez-le-feu, mais il ne changera rien au sort de la population. Il faudra que les travailleurs palestiniens et israéliens se révoltent et s'organisent pour prendre en main leur sort. Alors, les Palestiniens nous montrent la voie de la révolte, et le meilleur moyen de les soutenir, c'est de s'opposer ici aussi